Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Dis, Mini-Nours, pourquoi Licorne, elle est grosse? Hop, qu'est-ce que tu vas encore embêter, Licorne, toi? Licorne est superbe. Bah oui, mais elle est grosse. On n'a pas envie de se reprendre Twitter dans la gueule, souviens-toi. Quand on vexe Licorne, on n'en sort jamais indemne. Et moi, j'en ai ma claque de recevoir des menaces de mort parce que j'utilise le mot pédéraste. Ça veut dire homme qui aime les jeunes hommes. Je veux pas en reparler. Pourtant, Mini-Nours, il est important de soulever que quelque chose a changé chez elle et que dans une certaine mesure, on doit agir pour sa bonne santé. Mais je sais qu'il faut agir pour sa bonne santé, mais la mienne aussi est importante, Chacha. Regarde, j'ai des croûtes. Parce que je suis angoissée à l'idée que tout ça me retombe encore sur la gueule. Votre léger agacement montre qu'au fond, vous n'êtes pas si mauvais que ça. J'apprécie malgré tout votre humanisme dans ces moments de crise. Ah bon? Bon, ok. Wow! Je suis complètement apaisée alors que j'étais ultra vénère. Comment t'as fait? J'ai utilisé la thérapie par la parole. Oh! C'est exactement ce qu'il nous faut. Demandez pourquoi elle est grosse. Licorne, tes vêtements ont rétréci? Mais pourquoi? Y a un problème avec mon style? Je vais me faire virer de l'école parce que je suis en crop top? Elle est forte. Ok, je dois rester concentrée. Règle numéro 1, ne jamais contredire l'autre. Non! T'as raison, Licorne. Tu peux t'habiller comme tu le souhaites. Et je m'intéresse davantage à l'être qu'au paraître. D'ailleurs, je sens chez toi comme une... expansion. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chacha? Que je suis grosse? Oui, je suis grosse. Et c'est pour ça que les gens m'aiment. Les gens t'aiment? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai 2 millions de personnes qui me suivent sur TikTok. Challenge bouffe TikTok. C'est quoi un challenge bouffe? Coucou tout le monde! Vous étiez très nombreux à regarder ma vidéo où je mange un cordon bleu dans une pizza au kebab. Et pour vous remercier, je vais manger une motte de beurre. C'est si agréable de recevoir tant d'amour de votre part. Je me sens bien dans mon corps et dans mon âme. T'es sûre que c'est de l'amour, Licorne? Bah, ce sont des cœurs. Mais t'as pas remarqué qu'il y avait des commentaires en bas? Mais je sais pas lire. Grosse merde, suicide-toi avant que je le fasse. On voit même plus ta corne tellement t'es grosse. T'étais moche quand t'étais maigre, t'es encore plus moche grosse. Oh. Tu me dégoûtes. Tu m'as coupé l'appétit. Il y a des tas de merde qui sont plus jolies que toi. Mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Ils m'ont envoyé plein de cœurs. Mais c'est pas de l'amour, c'est des likes. Ils se foutent de ta gueule. Et chaque cœur que tu recevras, c'est un appel à se foutre davantage de ta gueule. Tu veux dire que personne ne m'aime? Sur les 2 millions? Ouais. On va jouer au ballon? Ouais! Qui est-ce qui disait tout à l'heure qu'il y a des licornes, ça vous retombe toujours sur la gueule? Ah oui! C'est vrai, c'est moi. Bah si, c'est moi. Mini-Nours! Dis Mini-Nours, on peut manger le gâteau? Peut-être qu'on va attendre que Gugu souffle sur ses bougies? Ça te fait quel âge déjà, Gugu? 4 ans? Waouh! Je m'en bats les couilles. Et là, on peut le manger? Bon anniversaire, Gugu. Allez, bon anniversaire, tout ça, là. Mmh. Ah. Bah. Pouh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau immonde? Bon. Oh. Mais il y a comme de la viande dedans. Ah non, mais moi, en plus, je suis végane. Mais c'est chelou, mais c'est quoi comme viande? Oh, mon Dieu. Je crois savoir ce que c'est. Non, me dis pas que c'est... C'est... de la viande de porc. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Mais Gugu, t'es con ou quoi? Pourquoi t'as fait un gâteau au porc? On ne peut pas laisser Cochonnet se manger lui-même. Je pourrais en avoir encore? Non. Y a plus de gâteau et de toute façon, c'est fini. Mais il en restait plus de la moitié. Allez, passe à autre chose, mec, vraiment. Je veux du gâteau. Il est là, le gâteau. Non, enfin, si. Le truc, c'est qu'on l'adore tous, ce gâteau. Et pourquoi tu serais le seul à en avoir? Hein, les enfants? Vous l'aimez, ce gâteau? Vous en voulez? N'est-ce pas? N'est-ce pas, Licorne? Ah oui, alors. Allez, les enfants, chacun prend une part. Bien. Mmh.
Oh là là, mais quel bon gâteau. Je me régale. Ah, vous les chiens, vous savez faire les gâteaux. Ouais, vous faites des gâteaux comme vous faites des recherches en fusion nucléaire. Bah, ils savent pas faire ça. Voilà. Pourquoi j'ai pas de porc, moi? Oh, je t'aurais oublié, cochonnet. Oh, comme c'est dommage, parce que... Oh, mais il n'y a plus de gâteau. Oh non. Lupine, qu'est-ce que tu fous? Bouffe ta peur, nom de Dieu. Désolée, j'y arrive pas. Moi, j'en veux. Non, mec, attends. C'est du porc. C'est du porc? Ouais. Et tu es un porc. Un cochon, quoi. Et t'es en train de bouffer l'un des tiens, mec. Il s'agit de cochons comme toi qu'on a amenés à l'abattoir pour les massacrer et les découper en morceaux. Et si ça se trouve... C'est même ton tonton ou ta tata que t'es en train de bouffer, là. T'es en train de bouffer ta propre famille, tu comprends? On me bat les couilles. La viande, c'est trop bon. Plus jamais je mange de porc. Je déconne, j'en bouffais pas. Oh. Mais c'est vrai, j'en ai jamais bouffé.